à fond la forme. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, pour être honnête, ne me fait pas du tout plaisir à moi. Mais moi ? Nous sommes devant une enseigne de magasin bien connue de tous, spécialisée dans les articles de sport. Et aujourd'hui, je vais laisser ma carte bleue à cet énergumène pour qu'il me choisisse un vélo. Et à la même heure où est sortie cette vidéo, j'ai aussi sorti une vidéo sur ma chaîne où toi, tu m'as pas fait de cadeau, tu m'as acheté le pire vélo possible pour faire du VTT de descente. J'ai quelques petites idées en tête. Tu vas me filer ta carte bleue et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu vas être gentil, hein ? Ouais, dis-moi, c'est quoi ton budget max? Bah, comme dans ta vidéo, hein, pas plus que ça. Ouais, voilà. 500 euros, c'est ça? Non. C'est quoi le code? Le code? J'aime les femmes d'hab dans tes mains. Pourquoi t'as pas tapé? Toi non plus. Je prends ça, je vais dans le D4 et je vais me faire plaisir. Ok. Allez, bon, bah. À toutes. Hein. Allez, bisous. Hein. L'entrée du plaisir. Le rayon vélo, il est là-bas. Philippe, on sait tous, il est petit. Mais genre, il est très petit. Du coup, on va lui prendre le plus petit vélo du monde. J'attends donc dans ma voiture et je sais pas comment j'ai pu faire confiance à ce mec. Sauf que le petit vélo du monde, il est pas cher. On va lui acheter le plus d'accessoires possible et on va lui acheter aussi des petites protections pour gosses. Moi, j'étais gentil avec lui. Vous verrez dans sa vidéo, je pense que le vélo que je lui ai choisi correspond tout à fait à sa pratique. Philippe, il aime bien le rose. Je pense que partir sur celui-là, mais tu vois, 90 balles, c'est pas assez cher. Sa tête, il va pas passer de temps. Je prends pas les couilles. Tu te sonnettes rose avec? Oh, on se fait plaisir. Non, vas-y, ce poète-poète, il est plus stylé. On reste dans le thème, on reste dans le rose. Il va me détester. On va lui prendre le petit panier avec. Est-ce que je pense ça avec? En vrai, ça se met facile. C'est juste sur la tige de sel. Et genre, c'est censé avoir un enfant dessus? Ouais, un bébé. Mais enfin, pas un bébé, mais un bébé en jouet. Dans nos vidéos, nous achetons volontairement des vélos qui ne sont pas du tout adaptés à la pratique de l'un et de l'autre. Et quand on achète, par exemple, un vélo de ville pour faire du BMX, eh ben, ça peut pas forcément se passer très bien. Comme on a déjà pu le voir dans certaines vidéos, les produits Decathlon sont extrêmement résistants, mais il faut bien sûr les utiliser à bon escient. Avec un vélo de ville, on fera des balades en ville. Bonjour. Bon, on se fait plaisir. Hein. Bah, j'ai un petit garçon, il veut se lancer dans le vélo et... J'ai d'occasion, hein, sinon, au cas où. Hein. Il est d'occasion, oui. Bah, carrément, on va prendre l'occasion. Comme ça, ça fera une deuxième main, ça sera mieux. Bah, merci beaucoup pour les conseils. Au revoir, bonne journée. Vous voulez passer, vous étiez devant, sans prix. Il est beau, mon vélo. Je vais arrêter de faire le mec parce que le vigile, il est très baraque. Je suis un homme heureux. Oh, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui sortent. Attends, je vais rejoindre Philippe comme ça. Mais non, mais il est déjà là. Comment il va faire pour rouler là-dessus? Attendez. Il est à ras du sol, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que j'ai mis avec moi? Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais il se fout de ma gueule, mais c'est quoi ça? Mais c'est pas un vélo. Mais pourquoi il a fait ça? Non, Pierre, mais non. Mais non. Mais il a acheté plein de trucs en plus. C'est le plus beau jour de ma vie, bordel de mec. Le vélo était en promo, 60 euros au lieu de 90. Ta gueule, j'ai une occasion. En plus, il m'a acheté un vélo d'occasion. Regarde, t'as un panier. Mais on devait acheter un truc. Et t'as carrément un truc pour mettre le bébé derrière. Ah, je vous jure, je vais pleurer. Oh, le pimp, ton vélo, gros. On te le pimp. Dommage, je voulais prendre un vélo plus grand, hein, 16 pouces. Mais j'ai vu ce 12 pouces et je me suis dit, il est fait pour toi. Mais je suis petit, je sais. Allez, fais un tour de vélo. Mais c'est pas à ma taille, Pierre. Regardez comment il est content. Oh. Mais Pierre, ça va jamais marcher. Ah, je m'en fous. Attends, mais t'as acheté quoi aussi avec? Bah, du coup, le casque, les coudières genouillères, le palier. Le poète-poète. Mais ça aussi, tu l'as acheté en plus? Oui. Attends, je viens de remarquer un truc de fou, regarde. Il y a des durites, genre durites aviation sur un vélo pour enfants. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour pas que la gaine, elle surchauffe. Ouais. Bravo Decathlon, mais je sais pas si je vais arriver à faire des figures avec ça, quoi. Là, au moins, à la fin de cette vidéo, on saura si papa, maman ont une bonne raison d'acheter ce vélo pour leur enfant. Si ce vélo résiste à nous deux. Alors, je veux bien les choix pas lourds, mais le PTAC, il est légèrement dépassé. Je suis désolé, c'était plus fort que moi. Mais Pierre, One Life, je t'ai donné 300 balles de budget, t'as dépensé 60 euros. C'est bien. Bah oui, je suis content. Je me plains pas. J'aurais préféré dépenser plus et pas me faire mal. Mais on s'en bat les couilles. Mais moi, je m'en bats pas les couilles, Pierre. Je vais faire comment du BMX avec ça? On va trouver une solution. Je vais t'aider, t'inquiète pas, mais ça va le faire. Il y en a pas plus cher de protection que de vélo. Oui. Mais Pierre, mais tu rentrerais pas dedans. Mais le concept de la vidéo, c'est que moi j'essaye les trucs que t'achètes. Oui. Si c'est pas à ma taille, je fais comment? Bah tu les essaies quand même. Moi je t'ai acheté un vélo qui certes n'est pas adapté à ta pratique, mais au moins, bah tu peux rouler avec. Bah je crois que c'est le moment d'aller essayer tout ça. Ouais, bah avant que tu meurs, ce serait peut-être bien de faire la promotion de ta boutique en ligne quand même. Bah commandez maintenant.
maintenant parce que je crois que je vais y rester là. Le lien de ta marque de gants, elle se trouve où? Elle est dans la description. Ça passe si bien en plus. C'était pensé pour. Rends-moi ma carte bleue. Ah non, je la garde. Rends-moi ma carte bleue. Je la garde. Je suis désolé, le ticket de casse. Tu casses les couilles. Il y a les factures et les preuves. Ouais, on se retrouve tout de suite en skatepark. Je suis ravi. On ne va rien pouvoir faire, ça va même pas être drôle. Je mets mon téléphone dans le petit panier. On remercie Rinoshi sans qui ce genre de cascade ne serait pas possible. Et tu sais quoi, j'ai un autre cadeau pour toi, mec. Waouh, monsieur fait la promo de sa boutique en ligne, incroyable. Attention. Waouh, quel t-shirt incroyable. Comment disponible sur la boutique en ligne de ce monsieur. Arrête de me tripoter comme ça. Non mais il te fait ressortir le pec et là, le téton là. Le problème c'est que pour pouvoir rouler ce vélo un minimum correctement en skatepark, on va devoir enlever plein de choses, à commencer par les roulettes. Parce que, stop les blagues avec ma taille. Ça suffit. Et tous les accessoires que tu m'as acheté, c'est bien rigolo, mais je vais les enlever aussi. Déjà ça va me permettre d'être un peu plus libre de mes mouvements, parce que c'est des pédales pour enfants quand même, donc mon pied passait pas dessus. On va tout serrer très très fort. YouTube va mal, bordel. Remets-moi tes petites sécurités là. Non, je les mets pas. Je mets pas les sécurités, j'ai envie de jouer. Les serrages à fond. Jusqu'à ce que ça fasse. Mais c'est du solide D4 quand même, y'a pas à dire. Déjà, je vais regarder la pression qu'on peut mettre dedans maximum. 3,5 bars, ça va. C'était pas très gonflé. On était à 0,5. L'avantage, c'est que des pneus comme ça, c'est tellement petit que je suis déjà à 3 bars et demi. Allez, 4. Je remets pas les bouchons de valve pour que ce soit plus léger évidemment. En tout cas, j'étais surpris de voir qu'à l'arrière c'était un frein à tambour. Et on a essayé brièvement le vélo sur le parking du Décathlon. Le frein arrière il marche trop bien. Les freins classiques V-break ou U-break, ça vient mordre la jante. Et là un frein à tambour, bah c'est comme ce qu'on a sur les anciennes voitures ou sur certaines motos. Et regarde, je fais juste ça avec mon doigt, la jante elle est bloquée. Le pire c'est que c'est censé arrêter des gosses qui utilisent le vélo, pas des adultes comme nous, mais le frein il marche quand même. Oh putain, je suis mis 5 barres. Je suis pas ouf. Allez, allez, ouais, on commence tranquille. Allez, allez, allez. Oh, ça va. Il va mourir. Ah, c'est trop bien. Et je suis le pire, je suis désolé les gars, mais je suis le pire. Je vois, j'aime ce que je vois. Oh. Tors de la fourche. Voilà, ça passe. Oh, c'est quoi tes chaussures, là? Mais attends, mais... C'est pas un peu les chaussures d'une meuf un peu connue dans le YouTube game? Et alors? Et alors, moi, j'aime bien. D'accord. Je soutiens les YouTubeurs ou YouTubeuses qui ont des boutiques ou qui font des partenariats. Oui. Et comme un pigeon, j'achète. D'accord. Oh. Mais le frein freine mieux que mon vélo, je suis jaloux. Oh putain. Oh mais attends. Je suis bien d'accord que les éléments de sécurité, c'est important. Mais là, c'est trop, le gosse, le gosse, il s'arrête net. Le vélo, il s'arrête, le gosse, il continue sa vie. Allez, descends, descends. Le problème, c'est que la couronne, elle touche. Dernière fois qu'on drop celle-là, sinon ça abîme la rampe. Voilà, ça raccroche. Je vais essayer de faire 2-3 petites figures techniques avec au sol. Oh, oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est dur de pédaler, mes pieds sont trop gros. Pour une fois qu'il y a un truc trop gros. Je vais essayer de faire un truc bien dans cette vidéo. Ah, mon pied est coincé dans le vélo. J'ai mal à mes orteils, Pierre. Let's go. Moi, je trouve que tu te débrouilles bien avec ce petit vélo. Ah, merci. Ah, voilà. Voilà, c'est bon, il est passé. Je tiens à préciser, le vélo est quand même solide. Il tient bien. Bah, je sens quand même que sous mes jambes, c'est un peu flex, tu vois. Tu veux que je fasse quoi, maintenant? Moi, je veux que tu descendes cette rampe. Mais Pierre... Allez, allez. Oh, oh là là. Mais comment il est trop chaud. Ah, il remonte. Mais non. On va quand même tenter une vraie figure dans cette vidéo pour au moins vous proposer quelque chose d'intéressant parce que... Ah ouais. Oh, trop bien. Ah ouais, ça c'est de la figure de triste. C'est la honte de ma vie. Allez. C'est bien, dans ces vidéos on te voit dans toutes les positions. Je te déteste. Ah ouais, je sais, tu me l'as dit plein de fois et plus tu me le dis, plus je suis heureux. Va-t'en. Oh, mais il était presque là. Tu veux descendre ça? Pierre, t'es vraiment sûr de vouloir faire ça? Malgré tout, même si je t'en veux de m'avoir acheté ça, je tiens quand même un minimum à toi et j'ai pas envie que... C'est gentil. Non, mais tu peux te faire mal là, en descendant ça. C'est pas prévu pour. T'as des protections, Pierre, sur ton corps? Pierre, la rampe est haute, le vélo est petit. Pierre, 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 Pierre. Oh.
C'est bon, ça passe. Et il a une petite dégaine en vrai. En vrai, il a une petite dégaine sympa. Je m'attendais à ce que ça, en fait, ça plie en deux au premier saut. Je suis navré pour cette vidéo un peu plus courte que d'habitude. Et c'est à cause de cet homme qui n'a pas choisi le matériel adapté pour ma pratique. Bon, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette petite vidéo. Bon, je vous invite à aller voir la petite vidéo sur la chaîne de ce monsieur, parce que moi, contrairement à lui, je vais choisir un vélo un peu plus à sa taille. Si vous voulez qu'on réitère l'expérience, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et j'espère que ce coup-ci, qu'il me choisira un vélo mieux que ça. À mercredi prochain, midi pile, pour la prochaine vidéo. Il y a une vidéo qui est sortie sur sa chaîne. Salut tout le monde.